Alpes sont complètement recouverts de neige. Mais bon, ça n'empêche pas de pousser. On a une petite couche, mais bon, c'est pas grand chose. On a eu 20 cm cette année, donc ça tombe régulièrement, mais en petite quantité, donc c'est pas bien grave. L'éucalyptus s'est redressé suite à la fonte du givre qui recouvrait ses branches. Vraiment, elle tombait en fait par terre avec le poids, donc. À peine le givre est parti, voilà, il se retrouve à nouveau recouvert de neige. Enfin bon, il n'y en a pas énormément, mais j'ai hâte de pouvoir aller travailler dehors. Il y a de la neige qui s'est accumulée au sommet de la serre, donc je vais retourner à l'intérieur avec un balai. Pour faire descendre toute cette neige qui apporte du poids supplémentaire que je vais évacuer assez facilement. Voilà, nous sommes dans la serre. Je voulais vous montrer en fait, voilà, la neige. On voit la neige qui pèse. Qui pèse sur la bâche. Donc je vais prendre le balai et je vais tout simplement voilà. Là et tout tombe. Plus simple que ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enjambe pour voilà. Et voilà. Tac. Bon, voilà. Donc à terme, il faudra que je mette un système de corde à linge pour bien tendre la bâche, parce que là, c'est pas terrible. Je voulais pas le faire. Enfin, j'avais pas trop eu le temps. En fait, j'ai reçu le. J'avais commandé. Cette corde en fait en même temps que la serre, ils me l'ont pas envoyé, donc j'ai dû réclamer. Et bon, comme je voulais pas attendre, et ben j'avais déjà monté la couverture, donc j'avais pas trop envie de tout redéfaire, donc bon, j'aurais dû, mais bon, c'est pas grave, je redébâcherai, je pense, au printemps, et je mettrai ce système de corde là. Donc voilà, avec une répartition, il y a une formule pour répartir en fonction de la taille. Donc je suivrai cet écartement qui est donné sur les différents sites qui proposent des serres. Donc voilà, je vais vous montrer en fait. Bon, j'avais mis de la cendre dans la serre. Donc j'en ai mis aussi sur les salades pour les protéger aussi des limaces, parce que je pense que malgré tout il y en a toujours un peu. Voilà, j'ai la petite salade qui se fait manger. Alors c'est peut-être des escargots, je sais pas trop, mais bon, peu importe. J'ai une salade qui a poussé spontanément, sans doute des graines qui sont tombées dans ma butte de permaculture, et quand j'ai bougé la terre en fait, voilà, elle s'est retrouvée là. Il y en a quelques-unes qui poussent, là encore une ici, une là aussi. Bon, bah tant mieux, c'est bien.
Donc là pour l'instant, un petit point sur les salades. Voilà, on voit que ça pousse pas trop mal. Voilà, elles sont plutôt belles. Par contre, il y a, alors en fait, voilà, je voulais vous montrer, j'ai mis en fait une plaque de polystyrène en fait que j'ai utilisé pour un autre projet dont je vous parlerai plus tard en fait. J'ai mis ça dessous pour essayer de les découpler un peu du sol, du froid du sol. J'ai fait la même chose à côté. Les apias, elles ont un peu de mal quand même, mais bon, je sais pas. On verra bien. Donc les autres, voilà, elles ont un peu filé au départ parce que je les avais pas vues en fait. J'avais pas vu qu'elles étaient aussi grandes. Donc bon, c'est pas grave. On verra bien. Je les ai mis là. Si ça marche pas, j'en referai. Donc voilà, j'ai mis des feuilles tout autour pour essayer de confiner un peu. J'ai amené mes poireaux que j'ai posé pour l'instant comme ça. Donc j'ai un casier en fait comme ça avec des, enfin c'est pas un casier, c'est un tunnel avec des extrémités là qu'il faut que j'installe. Donc je sais pas trop où je vais les mettre, sans doute ici en fait, c'est la partie la plus où il y a le plus d'espace. Donc je vais poser les plaques de polystyrène au sol, le semis de poireaux par dessus, et ensuite je recouvre du tunnel que je vais fermer, voilà, pour essayer de protéger encore un peu plus du froid mes semis, donc qui seront sans doute rejoints bientôt par des oignons jaunes puis rouges. Donc je mettrai ça ici en attendant pour les protéger un peu. Voilà, je vais installer ça et je vous montre ce que ça donne. J'ai mis en place mon bac de poireaux que j'ai positionné sur le polystyrène et recouvert en fait de ce tunnel en fait rigide. Donc c'est vraiment pas mal ce système de tunnel, mais c'est quand même extrêmement cher. Alors je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est dans les 50 euros il me semble, je sais plus, mais enfin, à l'époque j'ai trouvé ça vraiment très cher. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile à gérer que les systèmes d'arceaux. Voilà, c'est très vite mobile. On peut soit les fixer avec des fers à béton ou des crochets spéciaux, ou sinon on peut, moi c'est ce que je fais en fait, je trouve ça plus simple de mettre des pavés autobloquants dessus en fait, à certains endroits, même si ça coupe un peu la lumière, mais bon, c'est beaucoup plus facile à bouger de cette façon là donc voilà, moi je mets 2-3 pavés autobloquants, bon, sauf si vraiment il y a la tempête prévue. Dans ce cas-là, je les charge un maximum, mais c'est quand même très très solide, donc on peut vraiment s'asseoir, je vais pas dire on peut s'asseoir dessus, mais je pense qu'on pourrait sans doute s'asseoir dessus. Voilà, j'ai installé ça comme ça, en attendant. Donc je pense que ça devrait tenir. Donc voilà, maintenant la serre est un petit peu plus lumineuse, il n'y a plus de neige dessus, et le reste va fondre. Là j'entends l'eau qui coule, donc... ce que j'espère, c'est que la cuve que j'ai derrière mon abri n'est pas complètement gelée. Enfin, je l'avais vidée, mais je ne me rappelle plus s'il n'arrive plus derrière et que ça a regelé. Donc c'est toujours le problème en fait. J'ai toujours un petit peu peur de la bousiller en laissant de l'eau dedans. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, l'hiver, je n'utilisais pas d'eau de pluie. Mais bon, je vais aller faire un tour. Je vous montrerai. Donc on se trouve à l'arrière de mon chalet. Voilà, comme vous voyez, j'ai encore deux autres cuves. Ce qui me fait au total... 6 cuves, donc 6000 litres potentiel, dont 3 qui se trouveront près de mon potager. Donc on voit que le niveau se trouve ici, là. Donc je l'avais évidé un peu, mais ça, apparemment ça n'a pas posé de problème. D'ailleurs l'eau coule, même s'il y a un stalactite là. Je vais la vider un peu, je vais arroser dans ma serre pour la vider un peu. J'ai fait baisser le niveau jusqu'ici, donc c'est un petit peu moins critique que ça l'était quand je suis arrivé. Donc bon, je devrais pas avoir de soucis
de risque que le plastique explose en fait sous la pression de l'eau. Donc voilà, j'ai terminé mes deux arrosoirs. Je vais aller les vider dans la serre. Je viens de terminer l'arrosage de mes buttes, en fait, ces deux buttes-là en fait. Les autres, j'y touche pas parce que bon, il y a un petit peu de légumes dessus qui n'ont pas besoin forcément de beaucoup d'eau. Les tomates, ça ira bien comme ça. Et en plus, j'ai pas envie de faire disparaître la cendre qui les protège. Donc voilà, j'ai dû déverser, je pense, 90 litres d'eau à peu près. Donc ça devrait suffire. Voilà, je recommence dans 2 jours. Donc pour accélérer la décomposition du compostage que j'ai placé ici. Comme toujours, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et vous recevrez des alertes pour vous prévenir de la sortie d'une nouvelle vidéo. À bientôt!